Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo produit fini et comme d'habitude ça déborde donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer Schwarzkopf, ouh là il y a plein d'eau, il sort de ma douche. Donc pour commencer Schwarzkopf m'avait envoyé un shampoing, c'était le Gliss Hair Repair Shampoo. Donc dedans vous avez de la kératine liquide et vous aviez un filtre en fait pour le soleil anti UVA et UVB. Vous aviez à l'intérieur de l'extrait de fleurs de monoï, donc pour le coup il sentait vraiment super super bon. Et c'était vraiment pour l'été puisque je crois qu'il protégeait aussi du sel de la mer et du chlore de la piscine il me semble. Pour le coup moi je l'ai pas mis à rude épreuve parce que je suis déjà partie en vacances. Oula, ça goûte de partout. Parce que du coup je suis déjà partie en vacances et que j'ai pas pu tester justement avec l'eau de la mer, mais franchement il était très très bien, donc je recommande vivement. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Je le rachèterai sûrement. J'ai fini un masque de la gamme Papa Recipe. C'était le masque Rose Gold. Donc celui-ci, c'était le masque justement au propolis à la gelée d'abeille. Et c'était celui qui servait de réhydratant, il me semble. Nourrissant, réparateur et éclat. Donc pour le coup, le masque, je l'ai gardé pour vous montrer parce que je le trouvais trop joli. C'est un masque, donc toujours pareil, déjà pré-découpé en tissu. Et vous avez dessus justement cet aspect un petit peu ce liseré doré, donc comme un nid d'abeille. Et je trouve ça vraiment trop joli. Ce masque était très très bien, très honnêtement, il était très très bien. J'aimerais essayer celui justement au charbon, il a l'air terrible. Donc voilà, ça je vais racheter parce qu'il était très très bien. Toujours pour parler de masque, j'ai fini un masque de chez Sephora. Donc c'est celui pour les cheveux à la noix de coco. Là où vous avez justement votre petite Charlotte, etc. Je vous la garde toujours pour vous montrer. Donc vous l'appliquez principalement sur les longueurs et vous le laissez poser en fait pendant 8 heures. Donc logiquement la nuit. Ce masque est très très bien, à chaque fois je le rachète, il est top. Méfiez-vous, moi par exemple j'ai une couleur un peu spéciale au niveau du cheveu, donc du coup ça fait un petit peu décolorer ma couleur, malheureusement. Mais après ils sont très bien, je le fais en fin de vie quand je dois refaire ma couleur et c'est parfait. Sephora m'a envoyé leur nouveau masque, donc celui-ci c'est celui au litchi. Je l'ai fait hier soir et pour le coup c'est l'une des rares fois où ma peau a absorbé tout le produit. J'ai laissé à peu près une vingtaine de minutes et en fait ma peau a bu totalement tout le produit. Ils les ont améliorés et je trouve que c'est pas mal parce qu'à l'époque les anciens masques étaient trop imbibés à mon goût et il restait un petit peu trop luisant sur le visage et même quand vous le retiriez ça goûtait encore, que là pour le coup ma peau a tout absorbé, donc c'est le dosage parfait. Et celui au litchi est ultra hydratant et apporte de l'éclat et franchement il est très très bien. Les masques Sephora j'en fais une consommation excessive mais je les adore, donc je vous recommande, il était très très bien. Toujours pour parler masque, j'ai fini un masque de chez Patchology, donc celui-ci c'est celui pour les lèvres. Vous le voyez toujours dans mes favoris parce que je les aime beaucoup et toujours dans mes produits finis, donc ça ne déroge pas à la règle, il est dedans. Ensuite un petit masque pour les pieds, toujours de chez Sephora, il me semble que celui-ci c'est eux aussi qui me l'ont envoyé. Donc là on est sur un masque pour les pieds à la lavande. Moi je prends toujours celui à l'amande parce qu'il est un peu plus réparateur et pour le coup ça tombait bien vu que c'était l'été, le côté un peu rafraîchissant de la lavande et le côté un petit peu délassant était fortement sympa. Moi en général, donc il y a écrit 20 minutes, moi en général je le laisse vraiment poser toute la nuit, c'est-à-dire que je mets une paire de chaussettes par au-dessus pour vraiment que mon pied absorbe tout le produit et c'est génial, franchement c'est miraculeux quoi. Toujours pour en revenir au masque Sephora, donc j'en ai fini un pour le contour des yeux, donc toujours au litchi, c'est toujours un hydratant éclat. Donc pour le coup pareil, je détestais à l'époque ces masques avant qu'ils ne soient justement renouvelés et refaits. J'aime beaucoup l'aspect un peu plus gélatineux, en fait à l'époque c'était vraiment un tissu tout fin. Et maintenant ils ont apporté un aspect un peu hydrogel qui est sympa comme tout. Donc vous le posez, vous le laissez poser 15 minutes et après vous le retirez. Je sais qu'ils vont faire des patchs aussi, des masques. Préparateur justement avant le maquillage, donc ça va être terrible, j'ai vraiment 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 hâte. Alors celui-ci j'ai trouvé chez Action parce que je me désespérais, à l'époque j'ai acheté justement les masques peeling de chez Tony Moly qui coûtaient 12 balles et qui sont toujours en rupture sur le site Sephora. Donc pour le coup j'ai ma copine qui m'a dit essaye ceux-là, ils sont aussi bien, et écoute que dalle, je crois qu'ils sont à moins de 2€, ils doivent être à 1,70€ ou un truc comme ça chez Action. Donc c'est un masque effectivement que vous laissez poser 2 heures. Vous avez de l'acide glycolique dedans qui va permettre en fait de venir ronger tout ce qui est peau morte et au bout de 3 jours vos pieds vont peler. Donc vous allez avoir une peau de bébé en dessous et ce masque là est franchement génial. Donc si vous avez un Action chez vous, courez, franchement il est très très bien. Par contre à faire avec modération. Chez Sephora j'ai fini des lingettes démaquillantes, donc j'ai fini des lingettes au yuzu, donc enrichies en vitamine C pour les
les yeux et pour le visage, je les ai déjà. Mais j'en rachèterai plus parce que je vous expliquerai dans une vidéo un peu plus concrète pourquoi je n'en rachèterai plus. Et j'ai fini également celle au concombre. Et pareil pour le visage et pour les yeux, celles-ci sont très très bons. Mais pareil, je ne rachèterai pas de lingette des maquins. Ensuite, on va continuer avec les gels douche. Donc j'ai fini un gel douche de chez Dove. Donc celui-ci, c'est ceux au bonbon banane de chez Haribo. Et j'adore ceux-là. Franchement, ils sentent super bon. Les Dove, ce sont mes préférés. Donc je vais les racheter. Et j'ai malheureusement fini celui de chez Sana. Celui en collaboration avec Sana. Il faut vraiment que je rachète parce que ça, ça reste définitivement mon préféré. Je suis trop déçue que ce soit une édition limitée, vraiment. Ensuite, j'ai fini deux huiles démaquillantes pour le visage. Donc de chez Sephora, les deux. Vous savez que ce sont mes huiles pour le visage préférées. Du coup, je me démaquille, pour celles qui ne savent pas, j'en mets dans ma main. En fait, je me démaquille sous la douche directement avec. Et malgré que je sois énormément, énormément maquillée, ça démaquille du premier coup, ça ne pique pas les yeux, vous utilisez plus de coton et je trouve ça génial. Franchement, c'est mon produit préféré. Donc du coup, je m'efforce de finir mes démaquillants biphasés, toujours de chez Sephora. J'en ai encore un là, mais du coup, je ne veux plus utiliser de coton. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais je ne veux plus utiliser effectivement de coton, donc je m'efforce de finir ça. Mais je ne le rachèterai plus. Ensuite, je me sépare d'un produit de chez Bioderma. C'est un produit que la marque m'avait envoyé, que j'aimais beaucoup et que j'ai laissé traîner dans mon placard et que je pense n'est plus bon. C'était le soin intensif purifiant pour les peaux tendances acnéiques. C'était le sébum global et il était très très bien de chez Bioderma. Je ne le rachèterai pas du coup parce que si je l'ai oublié, ça veut dire que c'était pas un indispensable. Et un savon solide de chez Beauty Blender. On voit qu'il se désintègre. Alors moi j'ai beaucoup de mal à les garder en place et le mien ne dure que 2 semaines. Donc je ne sais pas si c'est la durée de vie normale de ce produit, mais franchement à 16 balles toutes les 2 semaines, je trouve que ça revient cher. Surtout qu'un savon classique ferait bien l'affaire. Donc du coup je ne veux plus en acheter non plus parce que du coup je trouve que c'est un gouffre financier et que pour 2 semaines j'ai pas envie d'en acheter un pour 2 semaines quoi. Ensuite on va passer du coup au make-up parce que pour une fois il y en a pas mal. J'ai fait un tri dans ma coiffeuse et j'ai plein de trucs à vous montrer. Alors j'ai fini le petit spray de chez Too Faced, le festival Refresh, c'est le Mystical Effect. Donc c'était une brume rafraîchissante, fixante pour le teint avec un effet mystique, un aspect un petit peu perlé, un petit peu violacé sur le visage. J'ai pas du tout aimé cette brume. Tout bêtement parce que je trouvais que déjà elle était chère pour ce que c'était. Elle est au même prix que la classique et vous en avez beaucoup moins dedans. Et tout bêtement parce qu'il n'y avait pas d'effet de ouf. Je voyais pas d'effet en termes de tenue. Et le petit effet lumineux, ouais, franchement il était pas violent quoi. Ensuite j'ai fini un Vivid Bright de chez NYX. Donc ce sont leurs liners. Donc celui-ci était rouge et il faut que je cours m'en racheter parce que franchement ils sont très bien. Malgré le fait qu'ils s'effritent sur la longueur, c'est-à-dire à la fin de la journée, ils sont quand même très bien pour le prix, franchement j'ai rien à leur reprocher. Ensuite je me sépare en fait d'un liner Make Up For Ever, donc c'est le Aqua XL en teinte 40 jaune. Je vous explique pourquoi je m'en sépare. C'est mon chéri qui me l'avait acheté et du coup je trouve que l'effet sur l'œil est franchement dégueulasse. C'est pas du tout opaque, c'est pas du tout le jaune auquel je m'attendais sur l'œil. Donc du coup je m'en sépare tout bêtement parce que je le trouve vraiment laid. Il a pas de tenue, il a pas de couvrance, je le trouve vraiment nul. Ensuite toujours un liner jaune, donc cette fois-ci j'ai fini un liner jaune de chez Too Faced. Donc ce sont ceux-là, c'est les sketch markers. Donc je vais essayer de vous refaire un petit... Ah si j'appuie il y en a encore un peu. Mais il se présentait comme ça, donc c'était un jaune un petit peu poussin. Et celui-ci je l'ai bien aimé, je trouvais qu'il avait une belle tenue, il était facile d'application. Je rachèterai peut-être pas parce que je vais reprendre les NYX. Autant mettre moins cher dedans. Mais il était très bien. J'ai fini un mascara de chez Dior. C'est le Pump and Volume de chez Dior Show. Il est très bien. Il se place dans mes favoris en termes de mascara. Pour le moment je le rachèterai pas parce que je suis encore en train d'utiliser mon Benefit et mon Chanel. Donc du coup pour l'instant je le rachèterai pas. Mais je pense qu'il peut revenir dans les... dans mes achats, dans mon panier. Ensuite j'ai fini un liner de chez Sephora. Donc celui-ci je l'ai déjà racheté. Et je vous avoue que finalement... je trouve pas qu'il ait une aussi bonne tenue que ça. Je pense que la prochaine fois je me pencherai sur le Fenty parce qu'il a l'air très bien, mais là pour l'instant celui-ci je le rachèterai pas. Je finis celui que j'ai entamé du coup, mais je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un petit produit de chez Makeup. Donc là effectivement on a l'impression qu'il est plein, mais quand on le tourne on voit qu'il est bien fini. Donc c'est un Starlight liquide. Alors ce produit je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'il a une durée de vie assez limitée tout bêtement parce que là j'arrive plus à rien prélever, il est pâteux, il sent limite mauvais et il me brûle les yeux. Donc pour le coup ça fait, ils disent 1 an qu'on peut le consommer, pendant 1 an après ouverture.
très honnêtement, ça fait moins d'un an et il est déjà au bout de sa vie. Par contre, je vais beaucoup utiliser, je pense que je rachèterai. J'ai fini une poudre de chez Too Faced, les poudres bronzantes, c'est le premier truc que j'ai du mal à finir. Et là, pour une fois, je l'ai fini en entière. C'était la Chocolate Gold Soleil de chez Too Faced. Donc, c'était celle que vous avez beaucoup vue dans mes tutos. Elle est un petit peu... il y a du pigment en fait doré qui reste très lumineux sur le visage. C'est une poudre de soleil que j'ai adorée et je la rachèterai pour l'année prochaine. Et un dernier produit maquillage que j'ai fini mon Bulletproof de chez Too Faced. Enfin fini, oui il est fini, tout bêtement, parce que quand je l'ouvre, ça devient un petit peu, vous savez, comme Anastasia, etc. C'est un petit peu pâteux, j'arrive plus à le travailler. J'ai mis de l'huile de ricin comme vous m'avez dit, mais franchement ça a pas repris. Ça a même craquelé un peu plus le produit. Mais bon, je l'ai quand même bien utilisé, ça doit faire 6 mois maintenant que je l'utilise en non-stop, donc franchement très bon produit. Ouais, je pense que je pourrais le racheter, il était très très bien. J'ai fini une bougie de chez Yankee Candle et là je suis vraiment dégoûtée parce que c'était une de mes bougies préférées, c'était la Macaron Treat, donc de chez Yankee Candle, donc c'était macaron gourmand et cette bougie là s'est arrêtée et je l'ai trouvée chez Truffaut, donc du coup je l'ai prise très très vite avant qu'elle s'arrête et forcément en l'espace d'un mois j'avais fini parce que c'est une de mes odeurs préférées. Je vais regarder un petit peu sur les sites si je peux en retrouver en grande jarre parce que franchement j'aimerais bien me la reprocurer. C'était une odeur de dingue, je l'aimais vraiment beaucoup celle-ci. Donc voilà, ma vidéo est terminée. En tout cas, je vous fais gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!